Je vous propose dans cette vidéo l'exercice le, 4 du brevet donc Métropole, 25 juin 2015. Il y a 5 questions portant sur des thèmes bien différents, donc je vous laisse y réfléchir et vous passez au corriger quand vous le voulez. Alors première question, donc on demande une image, l'image de 3 par une fonction dont on connaît l'expression. et bien c'est très simple, il suffit juste de remplacer x par 3, on obtient f de 3. Donc, il vaut moins 6 fois 3 plus 7, 3 plus 7, et donc moins 6 fois 3, ça fait moins 18 plus 7, et moins 18 plus 7, hein. et bien vous savez tous que ça fait moins 11. Voilà, une première question très simple. Une deuxième question, hein, des probabilités. Donc, on va bien lire le texte. Alors, vous avez Arthur qui a donc le choix entre 3 chemisettes, que j'ai indiquées ici, par vert-bleu. Et rouge je vais commencer à faire un arbre donc Arthur est ici vous il est face à trois choix équi donc chacune des probabilités qu'il a d'emprunter une des branches est de un tiers ensuite une fois qu'il a choisi sa chemise et eh bien il va devoir choisir un short donc pareil alors je vais mettre la même lettre vert et bleu et pareil pour les autres même si on ne s'en servira pas vert et bleu ici et là vert et bleu nous, on va s'intéresser au chemin où on a déjà choisi la chemise verte. Là, vous avez deux shorts, donc un vert et un bleu. C'est pris au hasard, donc chacun est probable. Donc vous avez tous qui ont une probabilité de 1,5. Voilà. La règle d'un arbre, c'est que quand on parcourt comme ça un chemin, on multiplie une à une les probabilités que l'on rencontre. Donc la probabilité hein, d'être habillé en vert et vert c'est-à-dire chemise verte, short vert, c'est donc la probabilité des chemins qui se, des, qui se situent sur la route V. Donc ici, 1 tiers multiplié par 1 demi, ça donne une probabilité de 1 sixième. Voilà, passons maintenant à la question 3. Et donc, on cherche l'étude avec un PGCD, donc un plus grand diviseur commun. Donc ça, c'est la question 4. La question 3, c'est des puissances de 2. Donc on vous parle de 2 puissance 40, par rapport à 2 puissance 39. Il faut savoir que, eh bien, une des règles des puissances avec 2, ça donne, ça veut dire que 2 puissance A plus B, c'est 2 puissance A multiplié par 2 puissance B. C'est très important. Alors, nous ici, on va prendre A égale 39, vous voyez, et B égale 1. Donc, 2 puissance 39 plus 1, ça vaudra 2 puissance 39 multiplier 2 puissance 1. Et 2 puissance 1, vous savez, ça fait 2. Donc, vous avez à droite 2 puissance 39 fois 2. Hein, et ça, en français, ça s'appelle le double de 2 puissance 39. Donc, le double. Et à gauche, vous avez 2 puissance 39 plus 1. Donc, c'est 2 puissance 40. On a bien 2 puissance 40 qui est égal au double de 2 puissance 39, donc elle a raison. Quatrième question. Voilà, on arrive à notre PGCD. Est-ce que le PGCD d'un nombre pair et d'un nombre impair est toujours égal à 1 Alors, Il y a deux réponses possibles soit c'est vrai, soit c'est faux. Quand quelque chose est faux, il suffit de trouver un contre-exemple, donc c'est souvent plus facile. Et quand quelque chose est vrai, il faudra démontrer que c'est toujours vrai, quel que soit le nombre pair et quel que soit le nombre impair. Donc là, on va plutôt. Pour la première, c'est à dire que c'est faux. Alors on va essayer de trouver, évidemment, vous n'avez pas le choix. Si c'était vrai, il faudrait démontrer. Alors il faut trouver un nombre pair, un nombre impair qui ont un diviseur commun. C'est très simple. Vous prenez par exemple 7 et vous prenez 2 x 7, 14. Et bien le PGCD de 7 et de 14, et puis comme 14 c'est 2 x 7, le PGCD de 7 et 14 c'est 7. Et donc Loïc a tort. Alors c'est une simple équation du premier degré, donc on va essayer de mettre tous les x à gauche, tous les constantes à droite. Donc vous avez un moins 2, on va rajouter 2 plus 2 des deux côtés. Je vais décrire ça tranquillement, plus 2 à gauche et plus 2 à droite. Donc en première étape, 5x vaut 3x plus 9. Évidemment, on va plus vite hein, normalement, et on aurait dû enlever des deux côtés 3x en même temps. Donc 5 moins 3x qui vaut 3x moins 3x plus 9. Et vous voyez, à gauche, il reste 2x, à droite, il reste 9. Il faut enlever maintenant ce 2 qui est en multiplication ici. Hein. J'insiste, c'est 2 fois x. Vous pouvez pas faire des soustractions comme ça par 2. Non, il faut diviser par 2 des deux côtés. Donc on va indiquer division par 2 en même temps. Donc le égal, il faut le mettre un peu plus bas si vous faites ça. Et ça veut dire qu'à gauche, les deux se simplifient, il reste x égal. 9 demi, c'est-à-dire 4,5. On peut indiquer là, S égale 9 demi. C'est-à-dire l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des éléments qui sont entre les accolades. Là, c'est donc 9 demi. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée.